Les gens veulent travailler le moins possible. Ils veulent pas travailler 2 ans de plus, même si ça met le système par terre, parce que ils sont fatigués, et qu'ils imaginent que même ceux qui auront une petite retraite vont avoir un camping-car, vont se balader, avoir des activités. Aucune de ces personnes ne se dit, mais putain, si j'arrête de travailler, je vais me retrouver assise dans un fauteuil chez moi. Quand tous ces gens qui sont dans la rue auront réussi à être à la retraite plutôt 2 ans avant, ils vont venir gueuler parce que leur pouvoir d'achat est trop petit, parce que finalement ils se retrouvent chez eux. Les prix sont en train de monter, les gens veulent se sortir du système parce qu'ils imaginent qu'ils vont continuer à dépenser, que l'État va leur faire un chèque. Et ça, un jour, ça va s'arrêter. Et ceux qui auront arrêté de travailler, qui n'auront plus de compétences, qui seront totalement déconnectés du monde du travail, ne pourront même plus retravailler. On les voudra pas dans le système. Et là, ils vont aller dans la rue pour faire la grève, pour empêcher ceux qui travaillent de travailler. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.